Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière et du site Internet. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. La messe est offerte par Madame Marielle McIntyre pour le Père Aldéric Roy. Nous célébrons aujourd'hui la bienheureuse Marie-Anne Blondin, qui a fondé les Sœurs de Sainte-Anne. Afin d'entrer avec un cœur purifié dans notre célébration, tournons-nous vers le Seigneur et par l'intercession de la bienheureuse Marie-Anne Blondin, demandons-lui pardon pour n'avoir pas toujours vécu en fidèle témoin de son Évangile. La bienheureuse Marie-Anne Blondin n'a cherché durant toute sa vie que la gloire de Dieu et le salut des âmes. Parce que nous cherchons trop souvent notre gloire plutôt que la gloire de Dieu et la croissance des personnes dans son amour, Seigneur, prends pitié de nous. La bienheureuse Marie-Anne Blondin trouvait plus de bonheur à pardonner qu'à se venger. Parce que nous refusons souvent de pardonner ou d'accueillir les pardons qui nous sont offerts, Seigneur, prends pitié de nous. La bienheureuse Marie-Anne Blondin trouvait tout son bonheur dans la communion à la volonté de Dieu sur elle, parce que nous cherchons trop souvent notre bonheur ailleurs que dans la volonté de Dieu sur nous et sur les nôtres, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, la bienheureuse Marie-Anne Blondin a trouvé dans la contemplation du mystère de la croix la force de te suivre sur le chemin des tribulations et d'accomplir mystérieusement la mission d'éducation que tu lui avais confiée. Accorde-nous par son intercession la grâce de trouver dans ton mystère pascal le véritable sens de notre existence et la grâce de te faire connaître aux personnes vers qui tu nous envoies. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères et sœurs, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans l'amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la pitié, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Lui qui était dans la condition de Dieu n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout, et lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame
Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. C'est toi, Seigneur, le rocher qui me sauve. Serviteur, que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour, tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur Seigneur veille sur les siens. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : Heureux les pauvres de cœur. Le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils posséderont la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte et si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, dans l'Évangile, en cette fête de la bienheureuse Marie-Anne Blondin, nous avons entendu Jésus proclamer ce que nous appelons les béatitudes. Celles-ci nous enseignent que le bonheur est à la portée de tous ceux et celles qui aiment Dieu et reconnaissent que le royaume des cieux s'établit malgré leurs souffrances et leurs manques. Jésus désire consolider l'espérance de ses disciples. Le mot « heureux » qui revient 9 fois dans le discours ne signifie pas un état de bonheur, comme si Jésus voulait tout simplement faire une constatation, mais il signifie une poussée en avant, une invitation à agir pour faire advenir le royaume. C'est en avançant, en expérimentant, qu'on se rend compte des bienfaits de la confiance en Dieu. Le bonheur promis n'est pas à accueillir seulement à l'heure de notre mort, mais dès maintenant que le Seigneur nous proclame heureux. Cette bonne nouvelle est toutefois difficile à accueillir pour un être encombré d'orgueil et de suffisance. Nous vivons dans un monde plutôt centré sur la construction de son propre bonheur, plutôt que de le recevoir d'un autre. D'après cette mentalité, il faut le faire soi-même, son bonheur. Pourtant, les deux ne sont pas incompatibles. Il ne faut pas attendre que le bonheur nous tombe dessus pour y croire. Et recevant tout du Seigneur, sachant qu'il est présent avec nous, nous obtenons la force de faire des merveilles et de transformer notre attitude devant l'adversité. L'histoire d'Esther Blondin, béatifiée par Saint Jean-Paul II en 2001, est peu connue, fondatrice de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Anne à Vaudreuil en 1850. Elle n'y a été supérieure générale que pendant 4 ans. Son projet est novateur. Donner une éducation mixte en milieu rural pour permettre aux familles pauvres et surtout aux jeunes filles d'avoir accès à toutes les connaissances et à l'alphabétisation. Toutefois, elle rencontre de sérieuses résistance de la part du clergé. Le projet se continue malgré tout, alors que Sœur Marie-Anne poursuit sa vie en communauté en accomplissant les plus simples tâches de la vie quotidienne pour les 30 années qui suivent. Ainsi, elle devient pour les sœurs un exemple en montrant que toute situation et toute besogne porte des fruits pour le royaume. Au cours de cette Eucharistie, rendons grâce à Dieu pour ce témoin de la foi qu'a été la courageuse Mère Marie-Anne Blondin, et demandons que nous ayons le même attachement au Christ et la force de témoigner de l'Évangile. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies dans l'âme de la bienheureuse Marianne Blondin, nous te supplions humblement, Seigneur, accepte ces offrandes afin qu'à son exemple, nous vivions plus intensément selon l'esprit des béatitudes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permette avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, bienheureuse Marie-Anne Blondet, bienheureux Basile Moreau et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et qu'on chante ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi vous serez pour moi des disciples. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ton Eucharistie. Fais qu'à l'exemple de la bienheureuse Marie-Anne Blondin, nous trouvions notre bonheur ici-bas, dans ce sacrement de ton amour et dans l'abandon à ton admirable volonté sur nous. Nous te le demandons avec confiance, toi qui règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne journée sous la protection de Saint-Joseph, Saint-Frère-André et en invoquant Marie-Anne Blondin. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.